Merci, pareil, on est capable de constater à travers nos génériques. Et à présent, les pour nous bande nouveaux sports. Bonsoir et bienvenue pour suivre. La compagnie Grande Case, une fait donation à la valeur 20 000 roupies avec l'association olympique spéciale Cécile en préparation pour une compétition Berlin-Allemagne en zin. C'est l'association expecté quitte pays le 15 zin et sont encore pélance l'appel avec n'importe qui soit content d'assister aux autres. C'était Kota Family House, Bélo, de présence bon athlète olympique spécial, pièce pour la Zénèque Expo, Ralph Jean-Louis, et que directeur national olympique spécial, Cécile Hélène Enesta, qui représente en grande case, Chama Amsbury, il présente sa bon athlète et que check la valeur 20 000 roupies pour exot voyage en Berlin, l'Allemagne, en Zin. Grand Cas has for many years, ever since its inception, been a supporter of sports in Seychelles. We firmly believe that participation in sports provides youth with a foundation. It provides them with a purpose and with discipline. And in turn, this also helps to alleviate some social ills. We are also an advocate for inclusivity, firm and staunch believer in equal chances, equal opportunities. The Special Olympics marry these two concepts perfectly, so we would like to just extend a very big good luck to the delegation that is heading to Berlin in June this year to say, do your very best, you have our faith, and good luck. Pour l'association olympique spéciale, Cécile, vous avez vraiment apprécié ça, c'est ça de la part de la compagnie Grande Case. Et ce qui nous a sorti, c'est nous lançons l'appel. Nous lançons l'appel pour une organisation, une compagnie EGNO et Grande Case in Tano. Et nous sorti, ce qui fait un sale appel pour nous, qui nous a sorti, c'est un grand merci. Nous parlons Special Olympics, bonne athlète, délégation qui peut aller, bonne members et parents, donc petit souhait merci beaucoup. Et pour terminer, Suzy. Un bon athlète olympique spécial qui peut participer dans l'événement Boshi. Il dit un petit parole de remerciement de la part de tout bon athlète olympique spécial. Je remercie Grande Case. Je remercie ça, son tindon. Et puis nous avons un peu important pour nous continuer pour nous jouer. En bicyclette, c'est l'équipe Vélo Club de l'Ouest Senior qui vainquait contre la montre par l'équipe qui t'y fait hier beau matin. Zoti remporte sa parcours 26,5 km de 34 minutes 46,63 secondes. Ça t'y 3 minutes devant l'autre de l'équipe qui t'y dans la course qui t'y commence au Roche Caïman. Zot l'étant dans sa compétition contre la montre, t'y enregistré l'étant premier et troisième cycliste, il passe la nuit finition. En tout, il y en a trois équipes qui descendent pour participer de sa côte de la montée par l'équipe Northern Coast Riders, Vélo Club de l'Ouest Senior et l'Académie Vélo Club de l'Ouest. Dans l'équipe, tu gagnes la guerre 2 minutes après camarade et pousse à la course 26,5 km. Zot Chalvi, côte Roundabout Airport et tu besoin de retourner au Caïman. Côte tu commences, Zot tu fais sa parcours deux fois. Là, l'équipe qui t'a enregistré l'étape plus vite, côte la ligne finition, tu vainqueur. Alors, de sa la course, travaille l'équipe qui est très important pour capable réussir. Bon cycliste, qui roule ensemble, et les autres qui obligent de faire ses efforts, rester groupés pour donner sa bonne performance et support camarade. Les temps sont favorables et pas si trop vanté pour un bon cycliste faire un bon temps, surtout le highway. Finalement, c'était Vélo Club de l'Ouest Senior qui tient enregistré les temps plus vite contre la ligne finition pour Zote Vine Vainqueur, sa première contre la montre par l'équipe pour sa saison. Zote Létan, 34 minutes 46,63 secondes, et l'équipe qui tient compris Jaden Simon, Ahmad Arisol, Sébastien Florentine et Jadel Gabriel. Vino all out, nous venons all in. Nous n'avons pas rien pour quitter les lieux, nous venons tout pour nous venir, nous ne venons pas en panne, nous venons conquérir, nous venons nous venir. Bon, je suis satisfait, mais nous pouvons faire, mais nous pouvons aller nous saisir comme si, pour espérer, nous venons comme si nous restions forts, nous continuons à niveau que nous étions. Je suis vraiment satisfait comme si, que ça a résulté aujourd'hui, après, on a resté dans la course qui est turn up comme si, vu que nous de fasting comme si, c'est un peu facile pour nous, seulement nous arrivons à mes kits.
C'est nous qui ça concentration, nous qui ça à l'équipe le premier podium même comme si est-ce qu'en saison il est terminé. Justement, deuxième de sa compte la mode par l'équipe, c'est l'Académie Vélo Club de l'Ouest, qui dit qu'on peut y acheter Toussaint, Laurent Jacques, Chris Isis et Jeff Esparon. Zotre le temps, qui zotre une termine là-dedans, c'est 37 minutes 52 secondes. Nous comptons comme si nous pouvons tuer une fois tous les jours, comme un week-end, mon bon collègue qui est là avec moi, moi, quand nous pouvons progresser, pas vivre comme si. Ouais, bon pour moi. Oui, je suis content à cause de la première fois que je suis arrivé avec nous. Comme si il y avait un coaching arrivé. Et que ça a été l'encouragement, consistant de training, la fête. Ah, bien content, j'ai fait un jeune nous pour donner un support, donner la main, la team time travel. Et c'était consistant de training, je suis content à ce prix devant. Oui, je vous remercie. Je suis content à rouler avec vous aujourd'hui. Troisième, c'est l'équipe Northern Coast Riders, compris Edric Coucou, Mario Enista, Ricky Rosalie et Julian Poul. Sur le temps, c'est 37 minutes 57.86 secondes. Nous en présence, c'est un régal ou une action sportive qui prend demain. D'abord, dans le basketball, sa fédération pour démarrer l'autre saison avec le tournoi Cotton Razor. La Saint-Louis-Saint, c'est KMBU Boys, il est des premières équipes pour une action d'un match pour A pour Manzoma 2e division. Sa match pour commencer à partir 5h15 et l'endroit y rester Victoria Gym. De football, demain 6h, le stade populaire, beau vallon pour jouer contre Rovers. Bien sûr, ça y est un match championship. Par contre, le côté Beach Soccer, à partir 5h30, côté Beach Soccer Arena, Perseverance pour rencontrer Sunrise. Bien voilà, Nouveau Sport se termine là pour aujourd'hui. Mathieu, merci pour suivre.